Re-salut les internautes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on va continuer l'épisode Blood and Truth que je trouve un jeu vraiment exceptionnel. On va faire un let's play sur le jeu et j'espère que vous allez kiffer parce que moi je kiffe absolument ce jeu. Donc je tenais absolument à faire un let's play là-dessus que vous puissiez finir le jeu avec moi tous ensemble, même si vous n'avez pas le casque sur la tête. Voilà, c'est parti les amis, c'est parti. Et quand je vous l'ai dit, oh là là, regardez l'avion, comme si j'en ai jamais vu un en vrai. C'est une nouvelle voiture? Oh là, regardez. Eh, ça tue. Ah, elle est super. Graphiquement, c'est une tuerie quand même. Hein. Oh, c'est quoi ce doigt d'honneur? Toujours cette bague horrible? Bah évidemment. Non. Je l'ai perdu, moi. Eh, non, derrière. Pas cher de ta. Oh, y'a personne. Alors, en plus, la musique qui accompagne le joueur, je trouve que au niveau de l'ambiance, c'est une tuerie. Même graphiquement, c'est cool, quoi. Ça. C'est vraiment cool. Enfin, moi, j'aime bien, en tout cas. Le créateur du jeu a dit qu'il aimerait bien faire le Naughty Dog du jeu de réalité virtuelle. À mon avis, il tient ses promesses. Et j'espère qu'il va vraiment continuer à réaliser des jeux exceptionnels. Parce que là, il me met une claque en tout cas. Énormément il me met une claque. Du coup, j'arrête. Avec la cigarette électronique. Allez, on fume un petit peu. On fume la cigarette électronique. Allez, on fume. Même si ça. Tiens. Même. Ce let's play les amis, j'espère qu'il va vous faire plaisir, mais en tout cas moi je kiffe. Tiens-moi la main. Maman, ça va? Tiens-moi la main. Elle vient de perdre son mari. Ouais. Tiens-moi la main. Bon, hey, c'est beau quand même, hein. C'est beau, la ville, c'est pas flou, c'est propre, c'est net quoi. Ça c'est vraiment très très agréable. Regardez les buildings, les bâtiments, c'est pas flou, c'est, pas vraiment c'est propre. Même le personnage, le personnage qui est à côté de moi, il est vraiment propre. C'est toujours mieux qu'une balle dans la tête. Il est vraiment propre. Ça va pas être marrant, une crise cardiaque. De dire quoi? Un truc. On se croirait vraiment, on dirait une sorte de film, tu sais. On dirait vraiment une sorte de film où on. Au lieu de regarder, on est acteur. Moi aussi, je suis content. Wow, ça fait bizarre quand la voiture a. Enfin, moi, j'ai compris quoi. Ah oui, au niveau de. Ouais. Comment vous dire? Est-ce que j'ai des nausées? Non, j'ai pas de nausées. Ouais. C'est bien ça. Je suis prêt. J'ai pas de nausées. Il y a pas de cette impression de vomissement et ça, c'est cool. En tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que tous les jeux que je joue en ce moment. Bah, j'ai plus de nausées, j'ai plus ce genre de truc qu'on avait tout au début de la réalité virtuelle. À mon avis, je pense qu'ils ont dû rectifier la chose. Regardez, les effets de lumière, c'est beau. Peine de revenir sur les funérailles. C'est beau. On sait déjà ce qu'il y a à savoir. Moi, ce que je veux que vous me disiez, c'est ce qui s'est passé après ça. Attends, je vais regarder. Parce que des fois j'ai des coups de trou de mémoire quand je ça arrive souvent quand je sors en boîte qui tout juste de mission, et je sais pas quand est-ce que je rentre et c'est possible toutes que je me souviens pas. C'est ingérable à faire classer. Elle par contre, elle me dit quelque chose. C'est ma femme de ménage. Tout ce que je veux savoir, c'est ce qui s'est passé. C'est ma femme de ménage. C'est tout ce que je m'en souviens. Et où elle. Où est-ce que vous sortez vous? Vous devriez écrire un bouquin, moi connard à plein temps. Et je vous consacrerai un chapitre. Si vous acceptiez de me parler. Ok, d'accord, je vais vous dire un truc. Allez vous faire foutre. Je veux voir le responsable. Je veux lui parler. Ryan. J'ai servi dans les forces Delta. On n'est pas si différents, vous et moi. Je veux vous aider. Mais ça doit être réciproque. Un ancien des Delta qui fait de la psychologie de comptoir. Vous voulez savoir si je fais des cauchemars? Bien sûr. Parlez-moi donc de vos cauchemars, Ryan. Alors, il y a celui où je fais un discours à poil et je perds toutes mes dents. Qu'est-ce que ça signifie?
Ah. Ah, il y a eu un petit bug là, les amis. Pas flic, j'en ai rien à faire du bide. Vous royalement, pour tout vous dire. Je sais bien que vous êtes pas flic, vous avez CIA écrit sur le front. Delta, sérieux? Vous êtes juste un petit bureaucrate. C'est l'image que je renvoie. Ouais, carrément. Les renseignements, les analyses, les rapports de mission, tout ça ne mène pas très loin. Si on veut véritablement prendre la mesure d'un problème tactique, il faut être sur le terrain, on le sait tous les deux. Il y a que ça de vrai. Exactement. Combien ont été sélectionnés dans votre unité? 5. 5. Putain, je suis trop fort. J'ai dit ça au pif en plus. C'est pas toujours le meilleur. Je sais. Mais c'est toujours le plus indiqué. Oh. Le cliché, c'est obligé. C'est pour ça qu'on me paye. Plus j'en dis et mieux c'est. Ok, monsieur Lex Delta, c'est bon, je suis convaincu. On peut parler. Parfait. Super. Bon, allez. Bon, moi, je crois qu'on va, on est reparti pour une nouvelle. Oula! Je m'en occupe. Putain, c'est propre, c'est incroyable. C'est propre, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Regardez le visage, quoi. Pour la PlayStation VR, c'est une prouesse. Même Resident Evil, je crois qu'il est moins beau, mais il est plus abouti. Oh, tu sais. C'est encore, c'est pas la même chose, mais il est moins beau Resident Evil, mais il est plus abouti. Lui, il est très très beau. Il est moins ambitieux en tout cas, mais il est vraiment excellent au niveau de la réalisation. Maman, c'est peut-être enfin le moment de t'occuper un peu de toi, d'arrêter tout, de partir en croisière, de t'acheter une caravane. J'aime bien vraiment regarder partout. Pour voir vraiment les détails. Et Nick et Michel, alors? Nick a 34 ans, maman. Il peut se débrouiller tout seul, tu crois pas? C'est pas si simple. Je plaisante pas. Tu devrais y réfléchir. Papa aurait voulu que tu te retires. Tu sais ce que ton père aurait voulu? Que tout le monde s'en aille pour pouvoir regarder le snooker. Il était tellement fier de toi. Tu en es bien conscient. Bien sûr. Je le sais. C'est incroyable comme tu lui ressembles. Putain, c'est... Il avait ton âge quand on s'est connus. Je sens que la réalité virtuelle... Il y en a qui n'y croient pas, la réalité virtuelle. Mais il était bien plus drôle que toi. C'est pas quand on n'y croit pas, la réalité virtuelle, c'est... Oula ! Anne, restez derrière moi. Oula. Ils arrivent de tous les côtés. Putain, c'est vraiment... Les cheveux bougent, quoi. Les cheveux bougent. Okay. Ça a vraiment rien à voir avec... où les cheveux sont figés. Regardez les cheveux qui bougent. Merde. C'est... Non mais... Ça paraît tellement ridicule ce que je dis que les cheveux bougent. Mais ça fait partie des petits détails vraiment à savoir quoi. Personne ne bouge. Affaire. Pose cette arme. Oh. Espèce de sale... C'est bon, la voie est libre! Il a bougé. Anne, vous savez qui je suis? Non. Vous allez me le dire? Bien sûr que vous le savez. Ou ceux d'entre vous qui... Ça y est, t'as fini? D'enterrer mon mari. Oui, je sais. C'est tellement affreux. Mais comme je le disais, c'est une opportunité. Le fait est qu'il est très difficile de tous vous réunir. Et comme mon offre concerne toute la famille... On pourrait abréger, Tony, parce que j'ai rencard. Si t'ouvres gueule, je te préviens, j'ai encore une pile entre les yeux. Vous voulez... Qu'est-ce que je veux? Business. Je veux votre affaire tout entière. Du business. Les réseaux, les ressources. Le showbiz. Vous expliquer comment ça se passe. Vous l'avez vous-même fait souvent. Ne changez surtout rien à vos habitudes. Vous voyez ça plutôt comme... quel est le mot? Une fusion.
En ce qui te concerne, tu vas être gentil, retourner jouer aux soldats. Qui ça, moi ? Vous voulez pas vous laisser faire. Je sais bien à quoi vous pensez, mais je vous le déconseille fortement. J'ai pas envie que ça ressemble à une opéra hostile. Moi non plus. J'ai énormément de respect pour vous. Moi aussi. Vous ferez ce qu'il faut, vous êtes intelligente. C'est moi qui vous front, donc c'est moi le plus intelligent là-dedans. J'ai fait le tour de la question. Lui, c'est qui ça ? Voici Kitsch, mon frère. Bah, il est plus petit que toi. Un don plutôt rare pour les chiffres. Je l'ai chargé de s'assurer du bon déroulement de cette transition. Bon alors, il me faut la comptabilité, les reçus, les carnets de contact, les journaux. Tout le bordel. Je veux même connaître la date de votre dernier rendez-vous chez le proctologue. Allez hop, on s'active. Et nettoyez-moi cette merde. Ouf, ça s'annonce. Ça s'annonce. Et ça s'annonce épique. Une entreprise. Ça s'annonce vraiment de dingue. Ça s'annonce grave. Ça fasse envie de reprendre vos affaires. Après tout, c'est le meilleur réseau d'Europe, mais faut quand même avoir un minimum d'expérience dans le domaine. Vous avez un passif avec Tony ? Ouais, plutôt lourd. Mais chacun gérait son business. On n'avait jamais eu de problème. Qu'est-ce qui lui a pris ? Il a vu une opportunité. Une opportunité ? Le jour où vous enterrez votre père ? C'est vraiment un enfoiré. On a déjà fait pire. En effet. Bien pire. Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer. Oui, quoi ? Quoi donc ? Comment est-ce que vous vous en êtes sorti ? Le talent, chef ! Le talent ! C'est le talent, ça ! C'est inné ! Ça fait partie de l'ADN, ça ! Cette saloperie de comptabilité, c'est un vrai casse-tête. Je prends un verre de ce whisky, histoire de fêter cette paix. Qui veut aller me servir un verre ? Pourquoi pas un des frères Marx ? Oui. Lequel est Groucho ? Ouais, c'est bien trouvé. T'as entendu ça, Ryan ? Notre nom de famille, c'est Marx. Et on est des frères. Ce qui fait de nous, naturellement, les frères Marx. Tu l'avais préparé à l'avance ? Non. Pas vous, Annie. N'ayez pas peur. Venez donc boire un petit coup avec moi. Juste un petit coup, Anne. Aucun coup partira de cette arme. Le cran de sûreté. Hein ? Ben quoi ? Les Marx dans toute leur splendeur. C'est beau, la machine ça. Est sacrément brodée. On joue dans la cour des grands, ça rigole pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous auriez fait quoi ? Je me serais retranché pour parler à mes hommes et m'assurer de leur loyauté. J'aurais rassemblé des ressources et trouvé un endroit pour monter un plan, un endroit sûr. Vous auriez pu faire carrière comme gangster, Carson. Il va enfin fermer sa gueule. Voilà. Allez, fichons le camp. Allez. L'escalier de secours. Bon, pour le moment, c'est des cinématiques. On n'a pas encore eu le temps de vraiment jouer. Donc, à part mon test, okay, pour le moment, c'est que des cinématiques. Toujours aucune piste. Vraiment du jeu, quoi. Elle se lance dans les taxis. T'es con. De nouveau. Je tenais à contacter plusieurs de nos gars. Je le dirais ou je le répéterais un petit peu trop. Mais la réalisation est vraiment exceptionnelle. Les éclairages, c'est vraiment incroyable. Et nous, on va charger du reste. Les textures, tu vois pas les pixels comme on a l'habitude de voir sur certains jeux là. C'est vraiment. Le jeu, il est. Et pour l'américaine. Le jeu, c'est une finesse incroyable sur la PlayStation VR. C'est une militaire, une professionnelle. Je comprends que tu fasses dans ton froc. C'est clair qu'elle assure. Et le fait que le jeu soit vraiment en français... C'est bizarre, on dirait. Ça change tout, quoi. Je t'écoute. Il faut qu'on et j'ai hâte vraiment que les gros studios s'y intéressent vraiment, nous proposent des jeux un peu plus souvent, des jeux bien boostés, bien plus, quoi. J'ai l'air de penser le contraire, en tout cas. Il faut qu'on frappe un grand coup, sinon c'en est fini pour nous. Il va falloir qu'on l'élimine. Compris, merci. On sait où sera Tony ce soir. Dans son casino. Ouh là 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 là. C'est sûr, Marc, que ce sera pareil. On va se faire des millions, là. On va se faire des millions. Ses meilleurs hommes seront à cette fête. Justement, il sera d'autant plus surpris que je me pointe.
Pas question, Ryan. Toi, tu restes en dehors de cette histoire. Ça pourrait marcher? Non, ça se termine. T'y arriverais? Ouais, j'y arriverai. Est-ce que tu m'écoutes quand je te parle? Je viens de te dire de rester en dehors de ça. J'y suis déjà mêlé jusqu'au cou. Je peux entrer et ressortir sans que personne s'en rende compte. J'ai affaire à des situations et à des gens bien plus dangereux que Tony Sharp. Ryan a raison. Oh, c'est un petit joueur. Que vous avez dans le crâne. Tony n'en restera pas là. On le sait bien. Ryan est entraîné, maman. Si c'était n'importe qui d'autre. Mais ce n'est pas n'importe qui, Nicolas. C'est de ton frère. Ok, c'est bon. On a compris. En tout cas, on sait où Tony va passer la soirée alors. On pourrait le surveiller et guetter le moment de passer à l'action. Attendre, c'est risqué. Si on a une occasion de se débarrasser de lui, il faut pas la laisser filer. Il a raison. Très bien. Mais à la seconde où tu es en danger, Ryan, on te sort de là. Ça marche. On a quoi comme arme? 9 mm, fusée à pompe, mitraillette, bazooka, kalash. Viens avec moi. Je crois que c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Voilà, on est parti. Bon, croisons les doigts que je ne meurs pas au cours de l'aventure. Ryan, ah, ça y est. On est entré. Les amis louches de Tony sont partout. Bien, on entre et on ressort s'entraîner. Allez, on est parti. Alors, ça peut déranger certains, et comme ça ne peut pas déranger d'autres, le fait qu'on n'a pas les déplacements libres. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas et ça m'arrange qu'on n'a pas les déplacements libres. Attendez. Parce que je sais qu'avec les moves, c'est un truc que je déteste. Regarder et le fait de savoir qu'on n'est pas obligé de se déplacer librement, ça me soulage un petit peu. Hop, on va rentrer. Ah oh ouais. Hop, voilà. Hop. Voilà. Hop, voilà. Bon, pour le moment. J'ai intercepté la fréquence des gardes. On peut écouter leur conversation. Ah, ça marche, ça marche. Entendu. Hop. Bon, et là, y a rien. Y a rien, là. Ah, il faut que je rentre dans... Ok. On est en train de faire les infiltrés, en fait. D'accord. Bon, là, il n'y a rien. Votre attention, je vous prie. Monsieur Sharp ne viendra pas ce soir, finalement. Bon, on va descendre, il n'y a rien. Une réussite. Alors faites comme s'il restait l'invité d'honneur et pas d'esclandre. Ryan, t'as entendu ça? Tony est même pas là, merde! Tony n'est pas là. Mais Kitsch, si. Il faut un badge de sécurité. Il est là. Ah, il est là. C'est bien. C'est bon. Je l'ai retrouvé. Il est en train de péter un plomb. Je l'ai trouvé. Maintenant. Les caméras sont coupées. Ça y est. C'est le moment. Ça y est. Oh, dans la tête, direct. Direct. Bon, allez, les amis, on est parti là. Hop. Allez. Michel, pose ton C4. Tu te souviens comment faire? Passer. La charge. Ouais. Insérer le détonateur. Bien, vas-y doucement. Appuyer sur le bouton rouge. Voilà. Une charge Oula. À pousser. Bien joué. Maintenant, fiche le camp. Bon, je retourne à la voiture. Là, ça risque de faire des étincelles. Ça risque de faire des étincelles. Finissons de fouiller. On va aller par là, on va voir un petit peu. D'accord.
Je pose le C4. Voilà. Activé. Je dois bien répartir le C4 dans la pièce. Je dois bien répartir le C4. Hop, on avance tout doucement. Infiltration. Cet endroit est parfait aussi. Hop, on pose. Oula, ça, ils ont remis le... Ils ont remis le courant. Ils ont remis le courant, donc il faut que... Attendez. Caché, soldat. Allez, dans la tête, c'est bon. Dans la tête. Allez. J'arrive pas. Attendez, là, je vais aller là. Qui voilà. Wow. Faut que... Faut que je reste en mouvement. Tiens-toi bien tranquille, là. C'est bon. Faut que je reste en mouvement. Entre nous, ta jolie petite gueule. C'est chiant. C'est chiant qu'il n'y a pas des combats corps à corps. Ça aurait été excellent par contre. Bordel, c'est pas la joie ici. Attendez. Je t'ai trouvé. C'est bon, je l'ai eu. Allez, on recharge. Je prends des balles. C'est bon. Hop, on pose. On pose. On appuie. Voilà. Hop. Maintenant, allons parler à Kitsch. On verra ce qu'il peut nous apprendre sur Tony. Et c'est l'ascenseur, voilà. Il doit encore fonctionner. Bon, on va essayer l'ascenseur, hein. Mais j'ai posé assez de bombes, il me semble, pour pouvoir faire des explosions juste après. Bon, on attend l'ascenseur. Ah, c'est bon, ça va assez vite. Allez, on range l'arme. Bordel, regardez ce que j'ai trouvé. C'est bon. C'est bon, y'a rien. La chambre de Kitsch est dans ce couloir. Entendu. Pour qui tu te prends ? Allez! Ah, c'est bon. Hop, c'est réglé. On avance. Hop. C'est bon. Putain, ramenez-vous toutes! J'ai plus de balles! C'est bon. Allez, on avance. Y'a rien là. Hop. J'ai plus de balles. Ça suffit, crève. Allez. C'est bon, je l'ai eu. J'ai eu chaud. Bon, pour le moment, il n'y a plus rien. Chambre 50. Ah bah c'est celle-là. On ne sait pas. Ryan, ils nous le font vivant. Salut Kitsch, tu te souviens de moi? Tu vas où toi? Oh merde. Oh merde. Ryan. Ah oui, c'est vrai, ils me l'ont dit, le faux vivant. Ils l'ont dit en plus, il nous le faut vivant. Et moi, je tire dessus, quoi. Il nous le faut vivant, moi, je tire dessus. C'est n'importe quoi. Allez, il nous le faut vivant. Salut, Kitsch, tu te souviens de moi? Oh, merde.
l'ai loupé. J'ai loupé. Il veut ma peau. Vas-y, vas-y, cours autant que tu peux. Descends-le, vite. Allez. Wow, doucement. Oh, dans la tête. Directement dans la tête. Hors de mon chemin, crétin. Allez hop, c'est bon. T'inquiète. Wow. Putain, j'ai pas... J'en fais mon affaire. J'ai fait une affaire personnelle. J'ai fait une affaire personnelle. Il est à mes trousses. Il me rattrape. Ah, il y a un portable. C'est bon. Où est Tony? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Je suis son frère. Il me dit jamais rien. Foutaise. Fais chier. Et ça tue. T'as gagné. Je vais parler, ok? Je vais tout te dire. Vas-y, dépêche. Tony a une galerie d'art. C'est tout son art. Je te jure, j'ai rien d'autre. Merde. Non, genre, il est mort. Il est mort. On va sauter. Non. Oh, j'ai eu chaud, les amis, je vous assure que j'ai eu chaud. Hop là. Voilà. Hop là. Donc, les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode 2 de ce Blow and Choose. En tout cas, c'est un jeu qui est vraiment exceptionnel. Il y aura d'autres épisodes, ne vous inquiétez pas, qui vont arriver juste après. Ça va s'enchaîner comme ça et j'ai vraiment hâte de vous proposer d'autres épisodes de ce jeu qui est vraiment extraordinaire. Donc voilà les amis, donc voilà, moi je vais vous laisser là, fan de jeux vidéo et de la réalité virtuelle. Salut les amis, allez, portez-vous bien. Ciao, ciao.